De par sa position géographique, la Tunisie, berceau de la civilisation carthaginoise, a étendu son emprise sur le bassin méditerranéen. Un endroit stratégique qui a longtemps pu servir de route commerciale vers l'Europe de l'Est et plus particulièrement vers la Grèce. Et même si les tensions au 3e siècle avant Jésus-Christ, avec l'Empire romain, va changer radicalement la civilisation, elle va tout de même retrouver une seconde nature avec l'arrivée de l'armée arabe en 650, entraînant ainsi la construction des premières grandes mosquées, comme celle de Kairouan. À travers les époques, la Tunisie a certes subi de nombreux changements, mais a toujours conservé son âme d'origine. La Tunisie reste un pays de sport, aussi bien passionné par le volley-ball que par le taekwondo. Mais c'est bien le football qui reste le sport numéro 1 au pays, avec près de 30 000 licenciés. Et quand on parle de club, on pense de suite à l'Espérance Sportive de Tunis, le club le plus titré du pays, et qui a pu ramener 4 ligues des champions africaines sur le plan international, dont la dernière en 2019. Le club a pu voir évoluer le seul joueur tunisien à décrocher le ballon d'or africain, Tarak Diab, également grand artisan de la qualification de l'équipe nationale au Mondial 78. L'équipe nationale de la Tunisie est la seule nation africaine à participer au Mondial en 1978, avec justement un parcours honorable d'une belle troisième place de groupe, dont une victoire sur le Mexique 3-0. Un accomplissement qui est censé donner des certitudes pour la suite. Et pourtant, les ailes des Aigles de Carthage vont imploser, subissant des changements d'entraîneurs venant d'Europe de l'Est, qui ne connaissent pas vraiment les valeurs de la sélection. Entre 1978 et 1994, la Tunisie va connaître une seule participation à la CAN. Elle va quand même rebondir en 1996 en arrivant à leur deuxième de cette compétition sous les ordres du Polonais Henri Kasperczak, puis se qualifier pour le Mondial en France. De bon augure pour la suite, puisqu'en 2004, en tant que pays organisateur de la CAN et avec Roger Lemaire à sa tête, le champion d'Europe de 2000 va alors transmettre une culture de la CAN pour décrocher la seule et unique Coupe d'Afrique de leur palmarès. Sans forcément être favoris, les Tunisiens profitent du faux pas du Cameroun en quart de finale pour sortir aussi bien le Sénégal, le Nigeria et enfin battre les rivaux marocains 2 buts à 1 en finale avec un but de sa star tuniso-brésilien, Franchi dos Santos. Lors de l'édition 2019, en tant que tête de série, la Tunisie de Alain Giresz se fait peur en enchaînant 3 matchs nuls coup sur coup contre le Mali, l'Angola ou la Mauritanie. Malgré un départ chaotique, la Tunisie se rattrape en phase d'élimination directe, en sortant d'abord le Ghana au tir au but, en écrasant le Madagascar 3-0, puis se faufiler en demi-finale contre les Lions de la Teranga. Et même si leur force défensive amène les deux équipes à jouer les prolongations, le malheureux Dylan Brown se voit mettre un ballon dans ses propres filets pour perdre 1-0. Malgré une belle quatrième place, la Tunisie a souvent été mal gérée, notamment l'éclat de colère de Moaz Hassan au moment des tirs au but contre le Ghana. Une indiscipline sûrement mal vue de la part de la fédération qui n'accorde plus alors la confiance à Giresz pour l'avenir. Les qualifications pour la prochaine CAN ont été maîtrisées sur le plan comptable. L'équipe a cumulé le plus de points parmi tous les participants avec 16 points au total. Ils ont surtout su dominer par deux fois la Libye avec 9 buts marqués en 2 matchs. Des résultats encourageants prouvant que leur efficacité offensive peut être redoutable. Le simple match nul contre la Tanzanie, un partout, n'entache pas la qualification générale des Aigles du Carthage. À la suite du limogeage de Alain Giresz, la fédération tunisienne préfère donner confiance à un homme du pays en la personne de Mander Kabaya. Réputé pour avoir justement entraîné à plusieurs reprises le club de l'Étoile du Sahel, mais aussi le club athlétique de Bizerte avec qui il a décroché une coupe nationale en 2013. Un choix primordial de la fédération qui préfère vraiment garder l'éthique d'un coach qui connaît parfaitement le championnat local et qui sait gérer un groupe à fort caractère. À son arrivée, l'ancien défenseur tunisien doit aussi concilier les joueurs expérimentés avec la nouvelle génération tunisienne qui arrive fort, comme Hamza Rafia, Hannibal Meshribi ou encore Hanis Ben Slimane.
Le sélectionneur veut prendre le temps de trouver les bons éléments au bon poste pour être compétitif lors de la prochaine CAN, puis se qualifier pour le Qatar en 2022. Son système de jeu initial en 4-3-2-1 permet aux deux ailiers de jouer plus axial pour offrir le champ aux latéraux de monter plus haut sur leur côté. Enfin, défensivement, c'est le rôle de la sentinelle de jouer le support de la charnière en cas de montée haute des latéraux et qui doit être capable de relancer court vers les deux milieux centraux. Cependant, la Tunisie répond plutôt bien défensivement avec un bloc compact bas encaissant très peu de buts, mais elle a quand même parfois du mal à se créer davantage d'actions offensives où les latéraux ne sont peut-être pas aussi percutants que prévu et privilégient encore trop l'aspect défensif. Néanmoins, en prenant en compte les matchs de qualification à la Coupe du Monde, la Tunisie n'a toujours pas encaissé un seul but, prouvant un véritable système défensif performant. Dans ce registre, le sélectionneur s'appuie sur Ben Moustapha dans les cages. Une charnière très expérimentée, déjà présente au Mondial 2018, Brown associé à Meria. Au milieu de terrain, le poste de sentinelle est donné au joueur de Cologne, Elias Chikri. Et à ses côtés, l'expérience de Sassi est primordiale pour relancer le jeu dans l'axe. Enfin, devant, on fait confiance aux trentenaires comme Naïm Sliti, Ben Youssef ou encore Wahbi Khazri, qui culminent déjà à plus de 50 sélections chacun. Même si le jeu a par moments du mal à se mettre en place, les résultats sont bons, avec à ce jour seulement 2 défaites en match amical et aucune en compétition officielle. Wahbi Khazri, AS Saint-Étienne. Quand on parle de la Tunisie, le premier joueur qui nous vient à l'esprit est bien entendu le joueur stéphanois. De par son engagement avec la Ligue 1 depuis 2009 avec Bastia, mais aussi sa façon d'inscrire des buts importants pour son club actuel de Saint-Étienne. Et même si le club est en plein doute en Ligue 1 cette saison, Khazri, lui, est actuellement dans le top des meilleurs buteurs de la Ligue et continue de faire bouillir le chaudron à sa manière. Il aura une place de leader en tant que capitaine de la sélection tunisienne. Anis Ben Slimane Brøndby. Né à Copenhague, au Danemark, Ben Slimane a finalement choisi de représenter la Tunisie. À seulement 20 ans, il représente déjà le futur de la sélection. Pouvant évoluer aussi bien milieu offensif que ailier, Ben Slimane dispose d'une bonne maîtrise de balle et surtout d'une vision lui permettant de lancer ses coéquipiers en profondeur. Un atout de taille pour un joueur qui pourrait évoluer directement dans le 11 de départ. Elias Chikri, FC Cologne. L'ancien joueur de Montpellier garde sa brillance au milieu de terrain. Dans un rôle plus défensif, il va servir de tour de contrôle pour recadrer ses partenaires et analyser les actions avant les autres. Il est surtout très bon dans les relances courtes et encore dans les tags pour récupérer la balle. Sûrement la pièce maîtresse du système de Kebayer en Tunisie pour soutenir la charnière. Dans un groupe F composé du Mali, 57e, de la Mauritanie, 102e, ou encore de la Gambie, 147e, la Tunisie fait figure de favori pour prendre la première place. Et pourtant, les Tunisiens ont toujours eu du mal à démarrer leur compétition africaine. Dernier du groupe en 2010, deuxième en 2012, éliminé en 2013 en groupe. Premier, certes, en 2015, mais seulement 5 points de prix. Deuxième en 2017 et 3 points récoltés en 2019. Un bilan comptable assez délicat qui ne les conforte jamais en match de coupe. Heureusement que les Aigles de Carthage peuvent s'appuyer sur leur parcours convaincant en qualification pour le Qatar avec 8 buts inscrits pour aucun encaissé. Les cartes seront alors redistribuées en janvier prochain pour retrouver le carré final de la prochaine CAN.